Nommé le 14 avril dernier à la tête de la BDEAC par la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Dieudonné Evoumekou a officiellement pris fonction le 18 juin. La passation de pouvoir s'est déroulée à l'issue d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale de la BDEAC au siège de la banque à Brazzaville. L'événement était présidé par la ministre gabonaise de l'économie et de la relance, Nicole Janine Lydie Roboti, épouse Mbou. De l'Assemblée générale de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui s'est tenue le 18 juin 2022 à Brazzaville, au Congo, les ministres des pays membres de la CEMAF ont salué unanimement la nomination de M. Evoumekou Dieudonné au poste de président de la BDEAC. Nous avons le devoir et la responsabilité, au nom de nos chefs d'État et de nos pays respectifs, de continuer à garder haut le flambeau de cette institution qui est aujourd'hui joue un rôle central dans le financement de nos économies. Au cours de son installation, Dieudonné Evoumekou a promis de faire de la BDEAC une institution financière dont la communauté sera fière et qui poursuivra sa mission de financement des besoins en développement de chaque État membre, conformément à ses missions. On a pratiquement une feuille de route qui a été donnée tout à l'heure pour la réunion et on va essayer de la formaliser pour faire en sorte que cette banque atteigne les sommets auxquels elle est promise, afin que cette banque connaissent un avenir toujours aussi radieux, afin qu'elles se mettent aussi au niveau de tout ce qui peut se faire de mieux au niveau des banques du monde. Au moment de sa nomination comme président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Dieudonné Evoumekou assumait les fonctions de vice-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'ancien directeur général de la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun succède à la BDEAC à l'équato-guinéen Fortunato Ofa Mbonchama, qui a géré la fonction entre 2017 et 2022.